Le procès contre les militants de Greenpeace accusés d'avoir repeint un avion en verre annulé. Le tribunal correctionnel de Bobigny a jugé, jeudi, illégal, la procédure contre 9 activistes de Greenpeace. L'audience s'annonçait longue, ce jeudi 4 novembre au tribunal correctionnel de Bobigny, Seine-Saint-Denis. Là, le procès des 9 militants de Greenpeace, accusés d'avoir repeint en verre un Boeing 777-200 de la compagnie Air France, sur le tarmac de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, le 5 mars, a tourné court. Au bout d'une heure trente à peine de débat, le juge a décidé d'annuler la procédure en cours, suivant ainsi les plaidoiries des deux avocats de la défense, Marie Dauzé et Alexandre Faro, qui avaient dénoncé l'illégalité de « la rétention des activistes » et « la violation de leurs droits ». C'est une victoire non seulement sur la procédure, mais aussi sur le fond. Car c'est une chose de vouloir criminaliser les militants, mais c'est une autre de bafouer leurs droits, a déclaré Marie Dauzé à la sortie de l'audience. Si la procédure a été déclarée nulle, et que le tribunal a refusé de juger l'affaire au fond, les 9 activistes de Greenpeace ne sont pour autant pas libérés de toute poursuite. La plainte déposée par Air France et Groupe ADP, ex-aéroport de Paris, les deux parties civiles courent toujours. Les deux motifs de poursuite, dégrader volontairement un avion et troubler le fonctionnement d'installations aéroportuaires afin de dégrader un aéronef, restent. Mais à partir du moment où le juge, Charles Moscara, a considéré que la procédure était entachée d'illégalité, qu'en conséquence il estimait ne pas avoir été régulièrement saisi, il appartient désormais au ministère public de relancer la procédure. Les prévenus pourraient donc être reconvoqués devant le tribunal pour répondre, sur le fond, de leurs actions. Il existe d'autres moyens, les avocats des parties civiles se sont bien gardés d'entrer dans le débat sur la nullité de la procédure. Mais Claudia Chemarin, le conseil d'Air France, estime que le procès devrait avoir lieu, pour favoriser, la prise de conscience sur les risques que ces activistes prennent et des risques qu'ils font courir aux autres avec de telles actions. La compagnie aérienne qui réclame 1 euro de dommages et intérêts, ayant été par ailleurs indemnisée des frais que l'opération leur a coûtés par les assurances, souhaite le débat, dit-elle. Le climat est un enjeu important, mais il existe d'autres moyens que ces actions dangereuses, et Greenpeace a d'autres possibilités pour communiquer. En attendant un nouveau rendez-vous judiciaire donc, l'une des prévenues, Eva Ferrero, 36 ans, résidant en Ardèche, se dit satisfaite, car le juge n'a pas entériné la criminalisation des activistes. On a été tellement maltraités au dépôt, c'était, Midnight Express, pas d'eau, des toilettes dans un tel état que tu fais tout pour ne pas y aller pendant 24 heures. Après 30 heures de garde à vue, on est touché, même si on est extrêmement déterminé. 34,28%.